Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Alors que le déconfinement a acté et redéploie les perspectives de vacances hors de chez soi, il est peut-être temps d'avoir une réflexion sur cette envie gloutonne de parcourir le monde et d'observer mille et un paysages. Au fil du temps, l'humain a élargi sa conscience des frontières, de la proximité et de son propre territoire. À cette évolution humaine, différents facteurs, replongeons-nous chez Platon, le célèbre philosophe grec, pour y trouver un début de réponse. Connaissez-vous l'allégorie de la caverne de Platon? Nous y retrouvons ici le premier mirage qui influe sur notre comportement. Dans une demeure souterraine, en forme de caverne, des hommes sont enchaînés. Ils n'ont jamais vu directement la source de la lumière du jour, c'est-à-dire le soleil, dont ils ne connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Des choses et d'eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne connaissent que les échos. Pourtant, ils nous ressemblent, observe Glaucon, l'interlocuteur de Socrate. Que l'un d'entre eux soit libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie, il sera d'abord cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter. Il souffrira de tous les changements, il résistera et ne parviendra pas à percevoir ce que l'on veut lui montrer. Alors, ne voudra-t-il pas revenir à sa situation antérieure? S'il persiste, il s'accoutumera. Il pourra voir le monde supérieur, ce que Platon désigne comme les merveilles du monde intelligible. Prenant conscience de sa condition antérieure, ce n'est qu'en se faisant violence qu'il retournera auprès de ses semblables. Mais ceux-ci, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront de le croire. Ne le tueront-ils pas? Par cette allégorie intemporelle, Platon nous apprend beaucoup de la condition humaine, et dans notre cas, nous renvoie à notre conscience du monde et la capacité que nous avons à le faire moduler selon nos envies et nos dénis. La caverne qui représente le monde que je peux percevoir physiquement n'est qu'une illusion si je n'accède pas à la vérité totale, c'est-à-dire à la lumière du soleil. Le chemin pour y parvenir est fait de nombreux dénis. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes aveuglés lorsque nous observons pour la première fois le soleil. À l'heure où l'information n'a jamais été autant véhiculée, l'aveuglement devrait être terminé et la vérité devrait être révélée sur nos envies de vacances méritées. Nous savons aujourd'hui que chaque acte de consommation cache en son sein un esclavagisme délocalisé, loin de nos yeux, loin de nos cœurs. Parce qu'il est d'actualité de faire un petit aparté sur le sujet, l'homme a stratifié au cours de son évolution, entre conquête et défaite, entre dominant et dominé, une vision hiérarchisée de son humanité. Peut-on relier le racisme à l'esclavagisme? Certainement. Déshabiller l'autre d'attributs permet de le déclasser pour mieux l'utiliser. De la colonisation géographique à la colonisation économique, rien n'a réellement changé. Simplement un déni passant par le paravent d'une consommation méritée pour certains humains et convoitée ou utopique pour d'autres. Toute inégalité perturbe l'équilibre dominant-dominé. Aussi à chaque cocktail bu dans un hôtel all-inclusive se cache derrière la misère du poids de notre consommation. Alors que les vacances peuvent être tout autres. En moins de 60 ans, notre mobilité a énormément évolué. Du cheval au véhicule à vapeur, au train, au véhicule motorisé individuel, au transport collectif, à l'avion, jusqu'aux fusées.
Là où l'homme parcourait quelques kilomètres autour de chez lui, il peut aujourd'hui parcourir plusieurs fois dans une vie la totalité de la planète. Cette transformation d'échelle sur notre mobilité est le facteur clé de nos envies de vacances. Le boom du vol d'avion pas cher pour passer un week-end au Maroc ou encore à Londres est devenu banalité pour nos vies. Pourtant, nous savons désormais l'impact grandissant de la mobilité humaine sur le climat. Nous comprenons clairement que la démultiplication de nos désirs de vacances pose un problème bien plus global. À cela s'ajoute un autre phénomène technologique, le déploiement du numérique et la connaissance du monde. En sortant de notre caverne, au-delà de la vérité que nous pouvons essayer de découvrir, nous sommes enivrés par les mille et un paysages de notre monde, par les différentes cultures, l'envie d'y être, l'envie de le voir, l'envie de le ressentir. N'est-ce pas normal ? Certainement. Aussi, au-delà des mots, changer sa vision des vacances peut apparaître comme une contrainte à nos propres libertés, ou insensé dans un système où le travail est récompensé par ces fameux congés. Cependant, placer toujours plus haut nos envies de destination pour des vacances toujours plus réussies nous rapproche un peu plus de la grande déception que représente la crise économique actuelle sur nos pouvoirs d'achat et la capacité de résilience de la planète et des peuples. Redéfinir notre capacité de mobilité semble être la seule solution, mais sommes-nous prêts à le faire? Que pouvons-nous attendre de vacances sédentaires, excepté une routine de laquelle nous souhaitons nous extraire? Eh bien peut-être une découverte ou une redécouverte. Avant que les humains puissent commencer à bouger autant, chacun connaissait très bien sa région, mais surtout contribuait à l'émulsion, la croissance et l'équilibre de son coin de vie. Aujourd'hui, nous fuyons littéralement nos lieux de vie. Entre travail, vacances et autres sorties, nos villes et villages ne sont plus que des dortoirs sans vie. L'ordre du jour, inciter et développer le tourisme. C'est décidément terrible d'inverser tout à ce point. Ce qui est essentiel, c'est que les habitants redécouvrent leur région et souhaitent co-construire leur futur commun et leur loisir commun. Finalement, le voyage n'est qu'une fuite de notre quotidien. Sans réduction d'échelle de nos désirs, nous mettons nous-mêmes en péril notre monde. Prenons l'exemple de Venise succombant sous le poids des touristes du monde entier pour finalement retomber sur les mêmes clichés photographiques vus et revus à travers des magazines ou encore des reportages découvertes. Nous oublions souvent que nous possédons une faculté inédite et miraculeuse, l'imagination. Plus jeune, j'ai fait quelques voyages qui ont en premier lieu développé surtout mon empathie, mais je me suis toujours aperçu qu'au retour de mes vacances, aussitôt la vie routinière reprise, elles étaient aussitôt classées dans le compartiment passé de mon cerveau et devenaient un souvenir où je pouvais dire « j'y étais ». 5, 10, 15, 20 ans plus tard, il ne me reste que des clichés et vagues scènes complétées par mon imagination. Finalement, chaque souvenir se réactualise au moment où nous y repensons, les dissociant peu à peu de la vérité absolue de l'instant T, l'instant où j'y étais. De cette constatation, nous comprenons à quel point l'imagination est un outil précieux. Pensez au prisonnier enfermé dans sa cellule. Que serait-il sans imagination? Comment trouverait-il la bouffée d'oxygène dont il a tant besoin sans imagination et dont nous avons aujourd'hui tant besoin? La semaine prochaine, Monsieur Green vous invite à découvrir un voyage sensoriel aux quatre coins du globe avant sa mise au vert pour l'été. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, 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 tu vois? Mais tu vois, Green, Green, absolument. Green, un Green plus Green.